La loser bracket avant la grande finale, loser et la grande finale avec Elena jouée par Laura contre Beman. C'est super, je connais rien au perso. Allez. Alors Elena avec énormément de mix-up, je crois, en mid. Hein. En mid sur les points, qui peut changer de stance. Très très difficile. Beman qui frappe fort, qui a un jeu en shop intéressant avec des esquives shop totalement pertinentes. En tout cas, c'était le cas dans DOA 4. On va voir si ça n'a pas trop changé. Et si le plan de jeu a-t-il changé dans DOA 5. C'est la même chose, c'est parfait, moi je comprends ce qui se passe. Allez, voilà, Laura qui joue Elena pour l'instant, tout de suite, avec le low qui est trouvé. Regardez, le but c'est de mettre, voyez, en stun. Et une fois que l'adversaire est en stun, il va devoir choisir quel contre faire, quelle carte mettre, sinon c'est combo garanti. Donc si vous voulez, l'idée c'est de frapper son adversaire, de le mettre à plusieurs niveaux de stun et à la fin de mettre un launcher qui va passer, qui ne va pas être contré pour pouvoir envoyer un gros combo. Alors voilà, c'était pour l'explication rapide. Pour l'instant, Big Darsh qui a légèrement l'avantage, mais attention évidemment au wall hit. Big Darsh qui prend le block staff positif, là c'est dans la garde. Big Darsh en difficulté. Laura, Laura qui prend le passage à niveau. Voilà pour l'instant Laura, voilà Laura qui presse, il continue de presser. Ça c'est le low qui a trouvé la chope avec chope dans le mur. Pour l'instant, Big Darsh, voilà, qui fait la chope du commando fouillard, la Steven Seagal qui est complètement trouvée pour l'instant. Attention Laura, ça c'est dans la garde, le low qui passe, bien bloqué. Ah voilà, garde basse, puni immédiatement par chope basse avec un combo throw qui place complètement pour Big Darsh. Big Darsh encore, cette punition chope basse, il joue bien Big Darsh parce que dans DOA faut voir les lots et les punir. C'est comme ça que ça se passe avec la torticolis. Big Darsh pour l'instant qui s'en sort bien, allez. Laura qui trouve la chance spéciale dans le compte de Big Darsh, la barre qui va voler, une demi-barre sur un contre mal trouvé de la part de Big Darsh. Pour l'instant qui s'en sort bien. Allez, Elena, faut continuer comme ça Laura. Voilà, bien joué avec la roulade derrière. Avec un ground throw trouvé par Big Darsh. Le juggle, attention à la relever. Et elle cherche le Kizeme, elle le trouve avec Kitchop, Laura. Attention au Big Darsh, Big Darsh qui à son tour de prendre le Kizeme. Laura qui roule bien, c'est bien joué. Elle cherche le mid et elle le trouve. Big Darsh qui s'est encore blessé au pif. Laura qui joue bien, qui prend l'avantage, bien joué. Le contrôle haut pour éviter peut-être une chop. La Steven Seagal trouvée par Big Darsh qui s'en sort bien sur le hit. Laura, c'est pas grave, Laura, Laura qui tape, Laura qui tape, qui trouve le combo dans le wall encore avec une mise à niveau. Une demi-barre de perdu pour Big Darsh en difficulté. Laura qui punit en chop, ça c'est bien joué. Voilà, en relevé dans les critical, Big Darsh qui trouve pas le bon compte et qui perd le premier match. Laura, changement de niveau éventuellement, vous avez le droit. Non, c'est bon, vous avez le droit, faites ce que vous voulez. Hein. Parce que le niveau évidemment influe beaucoup. On a vu, on peut envoyer dans le mur. Retenez bien en fait le côté technique dans le jeu, c'est qu'à chaque fois qu'un coup va être placé en critical stun, critical hit, il faut choisir est-ce qu'on met sa garde, est-ce qu'on contre, est-ce qu'on attend une chope. Voilà, c'est du pierre feuille ciseau en fait. Dead or Alive 5, si vous voulez, c'est un peu le descendant d'Alex Kidd pour ceux qui aiment et ceux qui comprendront. Voilà le niveau de la forêt avec des combos qui peuvent varier dans l'eau avec des propriétés différentes. Et Big Darsh qui a sorti Ayate, un personnage extrêmement boosté dans cette version de Dead or Alive 5. Et pour l'instant, Laura qui tape, qui tape, qui tape, qui tape, qui prend le Kizem. Aïe 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 aïe. Perfect. Laura, Paris est en tête pour l'instant. Allez, va falloir trouver quelque chose Big Darsh avec Ayate. Évidemment avec le 3-3 kick qui est trouvé. Allez, le avant-avant kick, ça s'est trouvé pour Big Darsh. Big Darsh qui zone. Ah là là, le car avant-point. Voilà, qui fait rien. Le zoning d'Ayate avec le car avant-pied. Il n'est plus le même que la DOA 4. Et la phase secrète du live qui passe presque complètement. Il y aura le perfect Ayate-sama avec la phase du live. Le 3 kick P qui passe encore. Avant PK, ça passe complètement pour Ayate. Pour l'instant, les deux joueurs à peu près égalité. La chope qui est trouvée pour Big Darsh. Pour l'instant, bon choix d'Ayate, ça lui porte plutôt bonheur. Ah là là, bien joué avec le juggle, voilà, qui est trouvé par Laura. Attention, attention, main game, c'est dans le mur, ça va être compliqué là pour Big Darsh de se relever sans prendre de coups. Ah là là, ça mange dans le stun encore, il trouve pas les bons contres, il se fait ramasser. Bah, dommage pour Laura.
Voilà, voilà, le full combo qui est trouvé. Ça, c'est dans l'eau. Car avant-pied, le pressing, c'est dans la garde et c'est puni immédiatement. Voilà, par Laura qui rate pas. Qu'est-ce qu'elle joue bien. Attention, le low qui est trouvé en hitstone. Et Elena Sama. Avant PK, il cherche le Kizem. Il prend le hitstone. Non, mais tu ne l'as pas, t'as pas d'avantage là-dessus. Avec la chasse spéciale qui est trouvée, c'est pas terminé, messieurs. Pic d'Orge qui sort du tournoi. Balayé par la puissance de Laura. Qui va jouer maintenant contre. Contre. Shuran. Shorano. Shorano.